Salut à tous les amis, je suis TheFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur cette vidéo sur mobile aujourd'hui sur Castle Creeps, un excellent Tower Defense avec une grosse marge de progression. On va voir un petit peu de quoi il s'agit, les Tower Defense. Je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit de poser un petit peu des tourelles de défense plus ou moins améliorées et adaptées aux ennemis qui vont vous affronter afin de protéger votre forteresse ou en tout cas le point d'assaut final. La particularité de ce jeu, c'est la récupération de ressources et la gestion de héros. Qui donne, disons, une grosse rejouabilité et l'envie de farmer comme un malade. Vous avez vu, j'ai pas traîné. On y va direct. Je commence tout de suite par les améliorations que j'ai spécialement gardées pour vous, les amis. Alors ça, c'est... j'ai récupéré, vous voyez, un peu d'huile. Et j'ai récupéré du bois. Donc ça, c'est au fur et à mesure que vous tuez les monstres. Ils vous disent comment vous pouvez les récupérer. D'ailleurs, vous voyez, il y a plusieurs manières de récupérer les ressources dont vous avez besoin. Et j'en ai un max. Sans payer, d'ailleurs. Et j'améliore tout de suite ma tourelle qui va me permettre d'affronter un petit peu. Alors ça, c'est ma tourelle de niveau rang 3, il y a écrit. Hein. Mais je pense que c'est la tourelle de niveau 1. Ensuite, il y aura la tourelle de niveau 2. Là, vous voyez que j'ai un peu cliqué dessus. On va l'améliorer aussi. Et au fur et à mesure de ma progression d'aventure, je pourrai, en cours de partie, améliorer mes tourelles. Par contre, je ne peux pas améliorer parce que je n'ai pas assez d'or. Et ça, ça pue la merde. Donc la priorité des priorités, je pense, pour moi ici, va être d'améliorer ma tour d'archer. Et je vais peut-être améliorer ma tour 2. Parce que ma tour 1 a déjà été améliorée. Ce qui me paraît complètement pas mal. Super. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à farmer un petit peu. J'ai des coffres à ouvrir, des coffres gratuits. Peut-être qu'ils vont me permettre de faire l'amélioration qui va bien. Le petit coffre gratuit, je le prends. Ok, d'accord. J'aurais bien pris un petit peu d'or à l'occasion, ça ne me dérangerait pas. Je ne veux pas voir un coffre supplémentaire, je ne veux pas avoir de publicité ici. On est dans une vidéo sérieuse, bordel de merde. Et le coffre héroïque gratuit qui m'est donné tous les jours. Ce qui est plutôt cool. Oh, un petit peu d'or. Ici, de quoi améliorer mon héros. Améliorer le héros. Et non, je m'en fous, je ne veux pas tout ça. Puisque là, on est là pour des choses sérieuses. Alors, j'ai possibilité, bien sûr, les clés que j'ai gagnées au fur et à mesure des aventures, j'ai la possibilité d'ouvrir des coffres héroïques avec, mais moi, je suis patient et je ne paye pas, les amis. Je ne paye pas. Voilà. J'appuie tout de suite sur mon héros. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Régénération 70, point de vie auto, j'aime bien la régénération. Tandis que la vitesse, je m'en fous un peu, et le délai d'activation, je m'en fous un peu. On va améliorer ça parce que ça coûte pas grand chose. Et par contre, mon objectif, c'est d'atteindre le chapitre 3 avec vous et vous montrer le deuxième héros dans le cadre de cette aventure. Donc là, pour l'instant, on s'est contenté que de voir que c'était un jeu où il y a du farming, où il y a des levels à améliorer. Et maintenant, on va passer tout de suite dans la partie Tower Defense, les amis. Tower Defense, la pure action. Tandis que... Ah oui, vous avez vu. Hein, j'ai fait de la merde. J'ai pas eu mes 3 étoiles au niveau 7 et ça m'emmerde. Mais je peux le rejouer et regagner des trucs. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais voir si je peux améliorer une tour quelconque. On va améliorer celle-là. Celle de base. J'ai assez, parfait. Et avec ça, on va pouvoir passer et débloquer le héros qui va bien, tandis que mon Gmail fait de la merde et interrompt cette vidéo sans aucun problème. Sans aucun problème. Alors, parmi les tours que j'ai disponibles, j'ai celle-là qui permet d'attaquer surtout les meutes de loups. Celui-là, les archers, elfes, etc. Oui, parce que c'est Heroic Fantasy. Ça permet d'occuper nos adversaires. Non, ça coûte trop cher, malheureusement, je ne peux pas améliorer. Ça coûte vraiment trop cher, je ne peux pas améliorer. Et ici, ça permet de baisser l'armure des orques. Voilà, donc c'est très très pratique. Ici, je ne peux rien améliorer d'autre. Ah non, j'ai pas assez. Il nous faut farmer un petit peu. Et on va tout de suite aller au rang 8, tandis que le rang 8 est vraiment difficile, puisqu'il y a un boss dedans, que je n'ai pas pu affronter, parce que je n'avais pas upgrade spécialement pour vous, vous rendez compte. Alors, Kargaza, je pensais que nous étions tombés d'accord. Nordheim est assez grand pour nos deux races. Alors, Kargaza, c'est une grande chef orque. Voilà. Je n'ai fait aucune promesse, petit homme. Ordonne à ton armée de repartir, Kargaza. Fuis ou meurs, humain, fuis ou meurs. Voilà, je vous rappelle que c'est un jeu gratuit. Alors là, parce que moi je suis un gros greedy, j'appuie tout de suite sur les têtes pour faire venir les ennemis. J'en ai rien à foutre. Et tout de suite, je pose l'essentiel
de ma défense, tandis que je vais les empêcher de venir en bas. Vous voyez le petit glyphe en bas? Voilà. Et sinon, j'ai un héros aussi que je vais pouvoir déplacer. Et on va commencer à leur taper sur la gueule. Tandis que l'héroïne, là, elle fait chier parce qu'elle abîme mes tours. Et ça, j'aime pas ça du tout. On pourrait éventuellement mettre une petite armée ici pour ralentir nos adversaires. Ici, je vais y poser de quoi stopper les hordes. Et aussi, je vais utiliser un petit peu de mana pour débloquer ici. Peut-être mettre le... comment ils appellent ça? Comment ils appellent ce tour? Bon, j'en sais rien. Le truc de mana. Voilà. Ici, j'appuie, je vire. Et on pourrait y rajouter ça. Ici, je vire. Ici, je mets ça. Ici, je peux très bien archer. Et voilà que tout est déjà relativement bien mis. Tandis que mon héros se fait défoncer la gueule. On va assommer tout ça et essayer de se mettre de côté le temps qu'il régénère un petit peu. C'était une très belle amélioration. Vous voyez la tour au milieu. 5 fois par jour, j'ai le droit d'avoir une super arme OP qui va tout niquer. Bien sûr, je peux réparer aussi mes tours. Ce que je vais faire en upgradant ici ma tour de d'archer qui est devenue bien plus puissante. Ok, je vais upgrader aussi mes militaires. Comme ça, ils vont tenir un peu plus à distance. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je n'ai que 115 en élixir, comme vous voyez sur la gauche. Je vais appuyer sur les deux têtes de mort pour avoir un petit bonus élixir. Ce qui me permettrait éventuellement d'améliorer... Allez, on va améliorer ça. Parfait. Donc là, ils ont vraiment décidé de venir par ici. Donc on va... Ok, donc là, il va falloir penser à améliorer quand même notre tour d'archer. Tandis que là, ici... On a nos archers qui arrivent et qui sont complètement venimeux, tandis qu'ils sont protégés par un magicien de l'enfer. J'améliore ma tour d'archer qui la régénère. Par contre, celle-là, je ne peux pas l'améliorer, je vais simplement la réparer, ça serait déjà pas mal. Alors, on peut empêcher l'ogresse de taper sur nos tours en balançant ça ici, mais j'ai pas vraiment envie. Allez, on le fait. Tiens, ça t'apprendra, bougresse. Allez, vas-y, tape-moi là-dedans. Oh putain, il va crever. Ok, c'est pas grave, il va se régénérer assez vite. C'est l'occasion de mettre éventuellement une tour d'archer ici. Regardez ce qu'il peut régénérer. Pour l'instant, je peux pas, il me faudrait 160 en élixir pour... Ici, on pourrait y mettre... Hop, on va l'occuper un petit peu, le bonhomme. On va l'occuper. Voilà, donc il faut vraiment empêcher... J'ai 20 cœurs, ça veut dire qu'il faut empêcher 20 unités d'arriver de l'autre côté. Et on a gagné! Si on veut 3 étoiles, bien sûr, on va empêcher tout ce bordel. Tandis que la dernière vague, l'ogresse va venir, hein, sans pitié. Qu'est-ce que je pourrais réparer? Je pense que non, ça c'est vraiment réparable, mais je vais pas le faire. Ici, je pourrais... Je pense qu'on pourrait... On va essayer de mettre un archer ici. Ça vraiment, ça pourrait faire la différence, tandis que ça pourrait être pas mal. Hop, un autre archer ici, et on empêche l'inévitable. Quoi, t'as réussi à passer? Tu crois quoi, motherfucker? Voilà. Et boum! C'est bon. Ici, on va réparer. On est plutôt pas mal. Mais vous voyez, on a quand même une petite faiblesse sur tout ce bordel. Parce que c'est dur, hein, j'ai envie de dire. C'est pour ça aussi qu'on rejoue. Vous voyez que j'ai la possibilité d'avoir des petits bousquets d'élixir en bas à droite et aussi des petites unités qui sont renouvelables tous les jours pour t'aider éventuellement quand le niveau est trop difficile. Ici, j'aurais bien boosté ici à 180, mais je vais essayer de tuer un petit peu les adversaires avant. On va assommer ça, voilà, et évacuer le poison de préférence. Ok, et on va tuer ça. Si on pouvait améliorer la sulfateuse, ça pourrait être pas mal. Sulfateuse... Non, archer. Archer, c'est très 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 bien. Oh merde! Allez. Oh merde, j'ai plus de renfort! Ah, je ne peux plus, j'ai tout utilisé! Fuck! C'est pas grave. Hop, j'améliore ma tour d'archer. Ce qui devrait ralentir mes adversaires. Ici, j'aurais bien... Je vais améliorer ici, comme ça, il va être un petit peu plus costaud. Et on va vraiment sécuriser plutôt la fin de partie qui a besoin vraiment d'être améliorée. Sérieusement. Ah putain, elle est vraiment abîmée. Donc ça y est, j'ai corrigé. J'ai réparé. Faut faire attention à ces petites archères là, elles sont en poison là, elles sont... Alors c'est le magicien là, qui a tendance à... Allez, on assomme tout ça. Qui a tendance à protéger ses péons. Ici, on va y mettre une autre tour d'archer parce qu'on n'a perdu rien. Celle-là, on l'améliore comme ça, si jamais ça passe, c'est bon. J'aurais bien amélioré ces deux tourelles ici.
Et on va attendre un petit peu. Allez, avance-toi, mon gars. On va prendre le bonus. Final Wave, mon gars. Alors là, c'est le moment d'envoyer la purée, je vous le dis. Allez, on va essayer d'aller la chercher. Elle est vachement costaud, hein. Il va falloir vraiment y mettre toutes nos forces. Il nous faut 180 pour améliorer ici. On l'améliore. Le sort de zone, il est là. Il est propre. Tandis que mon héros se fait défoncer. Il n'y a pas de problème. Il est faible. C'est normal. Il a baissé le genou devant l'ogresse. Ici, on va réparer. Vous avez vu, l'activation supplémentaire n'est pas activée. Je ne peux pas. Je vais prendre le bonus d'élixir. J'en ai à la foutre. Ok. Ici, on améliore aussi. 1-1. Alors. Ok. Oh là là, on prend cher. Réparons, réparons. Tandis que elle va tomber. Elle va tomber, la bougresse. Oh, il a pas eu le temps de faire son attaque. Ok, ici, on aimerait bien améliorer. Est-ce qu'on peut se permettre? Oui, on se permet, on se permet. Ok. Le héros, si t'allais attaquer... Alors, ce qui est super, c'est que l'ogresse est tombée. Hein. Donc, il va falloir vraiment se concentrer sur bloquer les troupes adverses. Je vais booster... je vais faire une petite tour d'archer de base ici. C'est déjà mieux que rien. Tandis que ici, moi, je vais arriver en renfort pour tabasser les orques de la mort. Ça serait pas mal. Ouais, non, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné. Oh là là, 3 étoiles. Yeah. Excellent passe-temps. Et en plus, bien réalisé, j'ai envie de dire. C'est joli. C'est addictif. Tout ce qu'on réclame. Je dirais... Le mégamix de tout ce qui marche et qui est connu. Voilà. Ok. C'est pour ça que j'ai accepté. Sinon, j'aurais pas accepté. Oui, parce que c'est une OPSP. Mais il faut le dire. C'est la loi. Alors, votre avis compte. Non, je ne donne pas mon avis. Mais oui, j'aime bien ce jeu. Dites-moi en quoi vous pouvez améliorer ce jeu. Envoyez-moi des gemmes. Chapitre 3 déverrouillé. Il est temps de poursuivre le combat. Ok. Psst. Cependant, je crois qu'on pourrait s'entraider. Commandant, je pourrais. Ouais, ok. J'ai collecté les objets rares du coin. Des apparences de héros, des matériaux épiques, j'ai de tout. Venez me rendre visite tous les jours dans le marché noir. Le marché noir renouvelle son stock tous les jours. Entendu, monsieur. Ton marché noir, effectivement, contre des gemmes que j'ai précieusement conservées et que je ne toucherai pas, je peux acheter des trucs, mais pour l'instant, je n'y touche pas, je les ai précieusement conservées. Ok. Je vais pas améliorer mes héros, mais si j'ai gagné suffisamment d'or pour améliorer quelque chose, genre ça, par exemple, j'ai gagné quelque chose, j'améliore ma tour, et on est très bien. Très bien, donc la tour de base, vous voyez, elle fait beaucoup plus de... elle a beaucoup plus de santé, un petit peu plus de dégâts. Particularité de ce tower defense, c'est que les tours sont abîmables. C'est-à-dire qu'on peut, se faire niquer nos tours. Et je crois que mon héros, il peut gagner un petit peu en santé, donc je prends l'option. Tandis que le chapitre 3, on va y arriver dans le prochain tour, moi j'ai l'impression. C'est quoi, c'est ici? C'est où? Chapitre 3. Oh! Attention! Stanlord, alors c'est vous le nouveau commandant, c'est ça, je m'attendais à mieux, mais silence et le général répondent de vous. Il a sauvé la croisée du dragon, roi de la montagne, nous protégerons vos mines. Ok, une mine, ouais, bon, on va arrêter. Oui, c'est pour cela que vous êtes là, n'est-ce pas, mais faites attention à vous, les ombrales ont envoyé plusieurs de ces maudites prêtresses pour soigner leurs troupes. Ah ok, donc de nouveaux ennemis, et on a un nouveau héros, j'ai l'impression, armure lourde, dégâts moyens, héros de soutien. D'abord un peu difficile, Stonelord est dévoué à la protection de son peuple et voit la mort de chaque soldat comme un échec. Onde de lumière, soigne. Ok, donc c'est un héros qui soigne. C'est plutôt intéressant. Voilà, donc en fait on peut... Ah, carrément on peut utiliser deux, mais nous, ah, le luxe, le luxe. Ok, donc ils vont venir par là. Je mets tout de suite ça ici. Je vais éventuellement mettre cette protection ici. Moi, les tours d'archer, c'est la vie, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, on va juste prendre le bonus d'élixir en faisant accélérer tout ça. Ok, j'aurais dû mettre une autre tour avec des héros puisque le but était de les soigner. Enfin, je veux dire, les petits péons, là. On aurait pu les soigner. Oh, putain! Arrêtez de nous taper et de nous faire mal! Aïe, aïe, aïe. On arrête ça. Moi, ce que je veux, c'est la tour. Bien sûr, ça, c'est les héros qui vont faire tout le boulot. Et je me suis trompé de héros, bien sûr. Ok, on a une tourelle qui est là. Est-ce que je peux mettre une éventuelle... Oui, tout à fait, une deuxième caserne pour sauver la mise. Tandis que, on va soigner ça. Ok, ça n'a pas trop servi.
C'était un peu late, mais je débute avec Stan Lord. Ou quel que soit son nom. Ok. On va essayer... Oh putain, on y va. On y va, mon gars. Vous ne passerez pas. On prend le bonus. On a peur de rien. Oh mon dieu, mais putain. Alors, contrer contre des tours à archer, d'accord. Mais j'ai pas assez. On veut des élixirs, je m'en fous, c'est la vidéo. Je fais ce que je veux. Tour à archer. C'est la petite prêtresse, là. Oh. Allez, on l'assomme. Boum. Très bien. Donc là, on a quasiment posé toutes les tours. Il nous reste que celle-là. Je pense qu'on pourrait décemment mettre une tour d'archer, ça serait pas stupide. Tandis que tous les autres, on va upgrader nos nains. Tandis qu'il est où là, Stan Lord? On va le mettre au milieu, il va soigner dès qu'il aura besoin. Et ils ne passeront pas, et puis c'est tout. Allez, on upgrade ça ici. On va upgrade dès que possible. On prend le bonus! Rien à foutre. La tour d'archer qui sera en support derrière. Et dès qu'on pourra... améliorer les nains. Ok. Moi je touche pas mon héros, il est bien là. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Pas encore, on attend les 160. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est bientôt, c'est bientôt. Vite, allez, vite, vite. Vite. Voilà, voilà. Comme ça, les armures d'arc ne feront pas le poids. Hop. Très bien. Très bien, très bien. Hey, toi, reviens ici, mon gars. On va, si possible, améliorer après les armures nains. Allez. Boum. Oh putain, il a plié le genou. On soigne. On soigne, mon gars. Super. On améliore ça. 130 pour améliorer ici. Pas besoin d'élixir, je pense qu'on va simplement profiter de notre nouveau héros dans la gratuité la plus totale. On assomme tout ce bordel. Les nains, à la rescousse. Ça tape, ça tape. Et ça tape, ça tape. 130 pour améliorer la troisième canière de nains qu'on va essayer de rapprocher un petit peu ici. Histoire de bien faire du DPS dans la zone. En mode, vous ne passerez pas. Alors. Oh là là, on l'a découpé. On prend le bonus. On prend le bonus, qu'est-ce que je peux améliorer? On peut améliorer le archer ici. Ok. Et c'est tout, hein. C'est tout pour le moment. Bien sûr, j'ai toujours la tour magique de l'enfer pour éliminer tout ce que je veux. Oh putain, je l'ai utilisé pour rien! Tiens, regarde. Ah, pour quelque chose cette fois-ci. Très bien. Hop, il est où le nain? Viens ici. Hop, toi. Assomme-moi ça, merci. Et on découpe. Wouah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les mecs. On n'a plus rien à foutre. Rien à foutre. Tout est upgradé. Pour le luxe, on pourrait améliorer la tour ici. Ok. Allez, un petit coup de nain. Le boost qui va bien, le boost de santé. Donc, si vous êtes fan des jeux de Tower Defense, si vous aimez les jeux de farming à l'infini et qui sont 100% gratuits avec un petit peu de patience. Eh ben, ce jeu est fait pour vous. Hop. Professionnel, c'est pas bon. Ok, on y va. C'est bon. Allez, on soigne tout ce qu'on veut. On soigne tout ce qu'on veut, les amis. On les défonce. À mon avis, ça passera pas, là. On a suffisamment de nains, suffisamment armés pour vous faire le cul. C'est bon, ça. Putain, là, les gros orques, par contre, ils y arrivent. Ok, si tu pouvais aller taper les sorciers. Ok, ça tapote, ça tapote. Les tours verts sont très, très bien placées, je vous le dis. Hein. Je suis plutôt content de mon choix, tandis que j'ai un héros qui commence à souffrir pas mal. Notamment à cause des archères empoisonnées qui font chier. On va les assommer. Voilà, et les finir. Les petites sorcières ne sont pas un problème, on a tout ce qu'il faut. Ici, on pourrait... bien taper dedans en améliorant la tour. Et ça c'est bon. Et là en fait j'ai amélioré absolument toutes mes tours.
Et je n'ai juste qu'à attendre la fin de grand final, tandis que l'élixir est à son maximum. Putain, qu'est-ce que je vais faire de tout cet élixir? Incroyable. Tout est amélioré, hein. Mais j'aurais bien voulu aller plus loin. Ah, mais c'est une victoire 3 étoiles. Une fois de plus, Fanta a encore frappé. Oh là 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 là, tout se loot. La récompense. La récompense. Et voilà. Tandis que non, je n'ai pas envie de regarder cette publicité, même si je vois certains qui exploitent un petit filon. Je pourrais améliorer les dégâts. C'est très bien qu'il soigne, mais qu'il fasse du dégât, c'est pas mal aussi. En fait, je peux tout améliorer chez lui si je décidais de le choisir. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Ah, il faudrait qu'il soit au niveau 3 pour avoir plus de pouvoir. D'accord. Régénération, je prends également. Le bouclier sacré, je prends également. Je l'aime bien ce héros, donc j'y vais franco de porc. Ok. Changer d'apparence, je n'ai pas... Oh, j'ai pas encore de skin hein, chez lui, je crois. Oh, d'accord. Je n'ai pas encore le skin pour ce héros. Je regarde les tours. Les tours, c'est battu. J'aurais pu éventuellement améliorer ça, mais je crois que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent du tout, donc il va falloir farmer un petit peu. Et ici, j'ai de nouvelles quêtes, merci. Tu vois, bon, on pourrait finir par deux ouvertures de coffres. Les gens vont être ravis avec ça. Puisque j'ai suffisamment de clés pour faire deux ouvertures de coffres grâce aux quêtes que j'ai récupérées. Alors, c'est parti, coffre. Héroïque. On y va. Un petit peu d'argent, boost d'élixir, c'est pas dégueulasse. C'est relique pour lance, ok. De quoi améliorer mon héros. Et non, je ne veux pas regarder les vidéos, même si c'est rentable. Un deuxième coffre héroïque, j'ai encore jamais vu ouvert de coffre épique. Hein. Hop, les reliques de prêtresse, les lames orques, mais je pense que ce sera pour des niveaux avancés, des gemmes, des couronnes d'ogre, des baffes de gobelins et des pièces. Oh, un bouclier de chevalier, je ne connaissais pas ces choses. Et j'aurais pu doubler, mais je ne l'ai pas fait par amour pour vous. Et ceci étant dit, qu'est-ce que je peux améliorer avec lui? Délai d'activation, c'est pas mal. Bon, je gagne qu'une seconde. Et lui... Allez, on en profite. Il a été boosté au maximum. Waouh, putain! Il a level up. Ah, ah, mais ça, je savais pas. Quand tu augmentes tout partout, après, tu peux level up. D'accord. Et j'aimerais bien connaître les prochains héros. On voit qu'il y a de la gonzesse. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt et je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo comme à l'accoutumée et de jouer à Castle Crypt si le cœur vous en dit. Vous pouvez trouver le lien de téléchargement dans le descriptif de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fanta Game. C'était Fanta. Allez, bis.